Ben, refresh un peu, ça devrait. Ça... Ouais, je parlais à Jack. Non, c'est pas sûr. Non, mais. Chicks, regarde, mettons où je. Toi, t'es pas là? Ouais, ok. Ben, sauf moi, là, en fait, là. Avec Jack. Jack pis Eric parlaient, là. Ok, je vais essayer de faire de quoi pour voir. Ouais. Ouais. Parce que je suis dans les réglages là. C'est parce que le que c'est ça. Fait que là vous voyez juste comme trois petits cinq petits bonhommes là. C'est parce que le que c'est ça. Fait que là vous voyez juste comme trois petits cinq petits bonhommes là. Aïe Parce que nous autres, on enlève dans notre chose à nous. Mais tu sais, quelqu'un qui est chez eux puis qui regarde le live, avec la game, c'est en live avec qu'est-ce que je dis. Genre, je sais pas si tu comprends. Chez eux puis qui regarde le live, avec la game, c'est en live avec qu'est-ce que je dis. Genre, je sais pas si tu comprends. Non, non, gars, je reviens, là. Étienne, il écrit mes frères. Allô, Étienne. Jack, je t'ai envoyé une affaire sur PlayStation, va voir. Ouais, je sais. Mais Jack, pourquoi t'es pas capable de mon affaire? Mais ça me dit inviter des joueurs. Hey, jouer, si, je suis pas là pour rien. Attends, Étienne, ce sera pas long. Ça va être genre, puis faire un écran partagé.
Non, non, non. Non. Mais l'invitation de Jack, c'était quoi? Ok, mais il doit y avoir un moyen que qu'on puisse entendre les autres personnes parler ce que moi. Tu veux que je te fasse genre partage d'écran? Tu veux-tu une invitation pour jouer la game ou juste pour la voir? Ben, tu peux faire un. Attends, Jack, parle donc voir. Ou les gars parler. Non, je m'entends toujours tout seul. Oh, attends, c'est ce que. Attends. Négatif. Je sais, Étienne, c'est juste le mien, mais quoi? Option ou share? Ouais. Depuis tout à l'heure, je suis là-dedans, Jack. Sont toutes cochées, sont toutes cochées. Comme partager l'audio du groupe, il est coché. Intégrer l'audio du microphone ou diffusion, c'est coché. Puis intégrer l'audio. Ben, parle. Non, ça a rien fait. Comment ils font, les gars? C'est que c'est gossant, j'allais ça m'entendre en double, genre 15 secondes après. C'est comme ta gueule, là, je me dis ma gueule à moi-même, là. Cochette, tu parles à quelqu'un finalement. Peut-être, Étienne. Étienne doit tout être perdu, genre. Il entend juste la moitié d'une discussion, pis c'est juste moi, là. Pour ça, Eric, le call zoom, parce que sinon, comment est-ce que vous pourriez sinon parler? Dans le chill, genre?
Ok. Ben, faut, t'as, pis t'as le choix de juste autoriser ou jamais ne pas autoriser, hein? Oh, Jack aussi? Ben, faites-le tout, les gars, pour voir si on va l'entendre sur YouTube. Faites-le tout, pis parlez. Ouais, j'ai fait Hey! J'ai entendu quelqu'un sur YouTube sur. Oh non, c'était peut-être moi-même, laissez faire. Allô? J'ai entendu quelqu'un sur YouTube. Non, c'était peut-être moi-même. Ok, moi je suis là. Jack, je t'ai entendu! Jack, t'es là! Ok, moi je suis là. Attends, on va demander à Étienne qui le dit. Suis. Étienne, t'as entendu Hey, quelqu'un d'autre? Je me suis entendu moi sur YouTube. Ouais, on s'entend sur YouTube maintenant là. Ouais. Ouais, Simon, je t'entends sur YouTube. Si, c'est tellement laid. J'imagine comme quelqu'un qui nous écoute là. Ben, Étienne Donc là, on nous essaie, écoute là. si on start la game, est-ce que vous allez être capable de parler? Puis si le vidéo va avoir un décalage pour YouTube, c'est la question. Attends, j'ai besoin d'Étienne. Faut qu'Étienne il nous dise comment ça va être parce que lui. Always alone. Pis là, je suis sur YouTube. Là. T'es supposé. Ben, faudrait qu'Étienne nous le dise. Il peut pas le dire dans les commentaires, là. Il pleut. Ah oui, j'entends Zlan pleurer avec un décalage. Ok, mais si on start la game, si Eric commence par-dessus la game, est-ce que sur YouTube ça va être simultané ou tu vas avoir un autre décalage? Ok. Puis. C'est bon. Ok, fait que, mais pas si attends, un va décalage falloir entre ce que. qu'Eric dit puis notre game. C'est quoi le channel de YouTube? Parce que, ben, pas le channel, le link. Moi, je vois pas le direct. Tu vois pas quoi? Ah, oh, il voit pas en direct. Attends, je vais te l'envoyer au pire, Eric. Ben, c'est juste mon nom complet. T'es écrit sur YouTube mon nom complet, je devrais sortir. Ben, faut peut-être aimer ouais, le je lis le channel, mais j'ai pas le link. Je vois pas le. Le live? Ah, là, je le vois le live. J'ai refreshé. Bon, Simon, il est là, il écrit « Hey, mais faudrait qu'Étienne... » Ok, Étienne, il va y aller. Il va pas... Bon, Simon, il est là, il écrit « Hey, mais faudrait qu'Étienne... » Ok, Étienne, il va y aller. Bon, là, maintenant, moi, j'ai besoin d'avoir votre game sur mon PlayStation. Ça va pas? Ah, ouais, parce vrai, que... il la voit pas, lui, faut que ça, c'est un... Ah, un stream! Ouais. Ben, Jack, peux-tu le faire, toi? Parce que moi, là, si je fais un live, ouais. Plus un screen partagé, ouais. Là, ça va ma PS7 ouais. Puis mon Wi-Fi va exploser en 3. Ouais, c'est bon, c'est parce que là, ouais. Ceux qui écoutent sur YouTube, ouais, il, attends, c'est décalé, mais c'est correct que ça soit décalé pour eux, parce qu'ils ne sentent pas le décalage. On va envoyer une demande. Faut que tu okay. L'acceptes. Ah, on peut pas faire pause. Parce que j'allais dire, faut enlever le commentateur. Ouais, t'as point, t'as... Mais faut faire un arrêt de jeu. Faire offside, je sais pas. Là. Là, attends, ça... je vais voir si Eric voit l'écran. Ça s'en vient. Mais tu peux-tu me donner un pas qu'en attendant, je vais shooter okay, dans la Ok, je vois l'écran. Bande. Là, je ferme mon YouTube. Puis là, maintenant, c'est Simon. Simon, toi, tu regardes juste YouTube, ce que texte-moi donc, voir si... Allez, Jack, arrête. Jack, arrête de jouer pour entendre. Pour enlever Riley, ton entendre. La passe à Brody. Tu peux faire hors jeu là, putain? Ouais. Ouais, bon. Bon. Là, on enlève. Là, ici, je vais lever le son. C'est moi qui dois l'enlever. Parce que c'est Eric qui va entendre ma télé, je pense. Ouais, non, c'est là qui entend. Ben, moi, j'enlève le mien parce que, ouais, c'est mon live. Ouais, ok. C'est bon. Ben, je sais pas si tu l'as enlevé là, mais moi, okay. Je l'ai fait là. Simon, t'es-tu encore là?
C'est okay, pas mal. Ben, essaye d'écouter juste YouTube. Puis texte-moi quand t'entends. Ok. C'était là. Mise au jeu. John Tavares contre. C'est qui? C'est Winnipeg? Oh, ça lag quand même un petit peu de mon bord. Mais c'est correct. C'est pas si pire que ça. Ok, là. Ehlers. Nylander, la passe à Brody. Brody. À quoi? Mikalaj. Riley. Riley pousse la puck dans le coin. Là, c'est. Oh, Lane. Mais là, on a les commentateurs. Moi, j'entends les commentateurs. Ben, Jack, tu l'enlèves d'abord. Attends, peux-moi le faire. Je vais le faire, ok? Moi, je l'ai déjà fait. Je vois, j'entends Eric après. C'est tellement drôle. Etienne. Ok, vous pouvez m'écrire dans les commentaires pour m'encourager, s'il vous plaît, let's go! Ok, là, Eric, tu as enlevé les commentateurs. Fait que là, Simon, toi, t'entends eux autres sur YouTube. Est-ce qu'on veut ça pour Nat pis Cocher? Ben, ils peuvent juste muter leur micro, sinon. Ouais, mais peut-être qu'on veut ça, ça fait peut-être partie du spectacle. Ben, c'est ça, je me suis dit aussi. Ouais, c'est ça. On entend de la glace, les commentaires. Et là, t'as une petite de share. Sur YouTube? Ben, si, je peux changer la qualité. Sûrement que ça coûte plus cher de Wi-Fi, mais je peux mettre la qualité meilleure, là. Ah, pis là, les gens ils peuvent chatter, c'est bon ça. Ouais, c'est ça, moi, le monde peut écrire. J'aime YouTube, là. Ouais, Etienne, est-ce que ton image est un peu floue? Je vous dis, mon décalage. Il y a un gros décalage quand même, là. Si je regarde le temps, il y a 6 minutes de décalage. Ben, 6 fausses minutes. Ouais, mais sauf que. C'est pas vrai, là, je me suis updaté. Puis un décalage, genre 35 secondes. Parce fausse. Que. Eric, tu sais, mettons, là, tu commandes sur le screenshot de Jack, mais eux, sur YouTube, ils vont l'entendre pareil en même temps. Oh oui, sur leur ça, c'est image correct, à ça. Eux. Ouais, fait que ça va. Oui, ça, c'est correct. Comme là, Hyman, passe en arrière à Musin, Anderson, à Hyman, Anderson, à Hyman, le Hyman, Lowry, à Cop. Cop out! Non, ça c'est quoi? Appleton? 82! Oh! La passe interceptée! Matthews! La longue passe transversale à Hall! Bobby Hall! Hyman! Matthews qui pénètre! Et le tir! Et le but! Quel beau but! C'est qui ça? Hyman! Je comprends pas la phrase d'Étienne. C'est fluide. Ouais. Sur YouTube, c'est quoi? C'est fluide. Ok, mais tiens, je comprends pas ce qu'il dit. Il écrit tout est en retard, Eric. Ce que tu dis est bon avec le jeu. Mais si c'est en retard, ça devrait pas être bon. Ok, mais tiens, on s'en fout de ton commentaire arrogant. Là, à cause de ça, j'ai lu ton commentaire. Puis là, je regardais pas Jack qui faisait un 2 contre 1. Puis je me suis fait scorer. Fuck you, Etienne. Yeah. Matthews intercepte, il rentre en zone offensive. Matthews cherche à qui passer, il pivote sur lui-même, à Riley, à Matthews. Matthews d'une seule main perd la rondelle. Et maintenant c'est Thompson. Thompson perd la rondelle, mais ça va à Perreault là. Oh, quel arrêt d'Anderson! Anderson, Pullman, Deadpool, Pool. Aïe aïe aïe. Et voilà. Ça grisille dans le coin des Maple Leafs. Les Maple Leafs tentent de reprendre le disque. Oh! Le tir rate! Et c'est repris par les Maple Leafs. Riley. Riley patine par en arrière. Patine par en endroit à Brody. À Hyman. Hyman qui a déjà un but ce soir. Oh! Quelle feinte! Hyman la passe à Matthews! Matthews manque son tir! Shoot dans le haut de Bauer! Ouais. Ouais, mais ma voix par rapport à l'écran ou c'est moi qui est juste en retard parce que je parle pas assez vite? Comme ça, c'est meilleur que moi à faire ça, là.
Là, je pense qu'il va avoir un vrai retard, puis l'image va être pas bonne. Ouais, là, c'est comme trois partages un après l'autre, ça va demander, le Wi-Fi il tient plus le coup. Non, c'est ça, je pense pas que c'est nécessaire le zoom. Oui, oui, mais. Ouais, mais c'est parce que là, tout le monde va devoir streamer quand même, là. Ils vont streamer sur YouTube. Ouais, ils vont chaler sur YouTube. Pis de toute façon, sur YouTube, il y a tout, là. Ils peuvent chatter les gens, là. Ouais, c'est au pire, ils peuvent. Parfait. Mais il y a juste 30 secondes. En ce moment, sur YouTube, tu vois ça, puis tu nous entends parler. C'est que là, si je dis, alors, Jake, dis-moi, comment t'es-tu senti en manipulant et en faisant un but avec Hyman? Ah, ben, c'est certain que l'entrée de zone s'est faite assez facilement. Je pense que Nathaniel a été un peu, j'ai regardé le commentaire à Étienne. C'est ça. Donc, j'ai rentré assez facilement dans la zone, et puis, c'était le petit taco, voilà. Ah, si tu veux prendre la parole sur YouTube comme Snoop Dogg, genre. On a des légendes, mais après des légendes, on a des PA. Alors, PA, okay. Yo, je suis PA, man, hey, je suis un retraité de la ligue. Hey, Wayne Gretzky, ouais, moi, j'ai appris à Wayne Gretzky tous ces trucs, hein, ouais. Non, moi plus jamais sur des patins, mais moi plus jamais une manette dans les mains, là, ça me brûle les mains. Non, never. Non, c'est tellement ça qu'il dit tout le temps. Ok, mais est-ce que tu préfères que j'invite Théa en début de match? Ah oui, j'ai déjà bu dans coupe EA, mais je l'ai jamais gagné, par exemple, là. Goûte un fond de plastique, ça je peux te le dire, hey, écoute, là, hey. Californie, là! C'est pas ma question. Est-ce que tu veux que je lui dise? Ah, la rivalité en Californie! Ouais, du soleil là-bas, pis il y a des belles personnes, pis je commencerai toutes les games avec des grosses chansons noires, pis. Ok, mais est-ce que tu veux que j'invite Théa en début de match ou après la première période? Ah non, entre les périodes, là. Il y a Roger aussi qui veut faire une grosse annonce, là. C'est sûr, ça va être avec Guillaume, là. Ok, mais lui, il peut le faire comme à la deuxième game. Là, j'ai une question, par exemple. Est-ce que les entre-périodes peuvent durer autant de temps qu'on veut, ou ben non, oui. Il y a comme 30 secondes? Non, il y a un 30 secondes. À moins qu'on fasse... Tu peux pas, Jax, tu peux-tu faire un match média, puis inviter un ami, puis que tu joues contre? C'est la position en ligne, en fait. Non, mais un match média offline, mais t'invites quelqu'un pour jouer contre, puis comme ça, t'as pas de timer. Ah, ouais. Faudrait qu'on check après cette game-là. Faudrait le checker. Je comprends pas ce que tu veux dire, Nat, mais média. Ben, match média, mais t'invites un ami en pesant sur L1, puis après ça, tu joues contre. C'est ça. Parce que là, on a juste un timeout qu'on peut prendre, on a juste 30 secondes entre les périodes, on peut rien faire. On peut pas prendre d'autres timeouts si on veut. Ouais, c'est ça. Nous autres, on veut que les entre les périodes, ça dure 5 minutes. Uh-oh. Ah, ça. Ok, ben, vous essayerez ça, puis vous me le direz. Quelle erreur d'avoir contrôlé l'arme de son gardien de but! C'est comme s'il voulait se saboter lui-même! Hellerbuck, aime-t-il les Jets ou les déteste-t-il? A-t-il des problèmes à la maison? Et on revoit la reprise ici, c'est épouvantable! Quelqu'un de la mafia l'a payé et c'est beaucoup trop flagrant! Quelqu'un va devoir payer pour ça! Quelqu'un va devoir payer pour ça! Mais qui paye? Qui est redevable? Dites-le moi. Hey, faudrait qu'Éric tu dis genre, dites-nous dans les commentaires, pis le monde y écrive des affaires. Pis après ça, t'es lise, tu sais, comme ils font des fois, là. Ah, c'est ça, on va écrire des affaires. Ça, l'autre question, c'est est-ce qu'on peut enregistrer ça? Est-ce qu'on enregistre de YouTube ou du Éric, PlayStation? Non, mais je t'ai envoyé un lien tantôt de la game que j'ai joué à matin. Ah oui, ok, pis ça, ça a été fait comment, Je l'ai juste trouvé sur YouTube, pis je te l'ai envoyé.
OK, le match il s'emprunte sur YouTube. Je pense que oui, parce que j'ai rien fait pour demander de l'enregistrer, puis Simon après il m'a dit qu'il l'a trouvé. Fait que j'ai rien fait moi pour ça, je savais pas. C'est vraiment bon, ils pourront être dans les archives Je suis pas capable de. Comme là j'ai ouvert une game, puis je suis pas capable de play now, là. Je suis pas capable d'inviter quelqu'un. Ah, non, c'est pas ça, monsieur. Ouais. C'est vraiment pour jouer offline. Tu peux rajouter des manettes, mais tu peux pas rajouter gens, là. Mais l'autre option, c'est si tu vas dans les paramètres, là t'as l'option, je sais pas, modifier la pause ou le temps d'arrêt. Non, mais tu peux-tu. Tu peux-tu faire un match comme non officiel? Tu sais, comme ce match-là, à soir, est-ce qu'il tombe dans vos stats, ça? Non, c'est non officiel. Mais est-ce que je vais dans online? Versus? Ouais, opposition en ligne. Ouais, versus, c'est peut-être ça en anglais, hein. Ok, puis là, je fais play online. Ok, je vais m'enlever, là, pour qu'Étienne arrête de m'entendre parler. Roger, il est pas là. Faudrait qu'il vienne, ça serait bon. À moins qu'il soit sur YouTube. Roger, si tu es sur YouTube, chat. Mais s'il y a texté pour qu'il vienne? J'ai envoyé le lien live. Ah, Jack, t'as-tu vu, Étienne, il écrit même Jack à Ondale. Mais ça dit qu'il y a deux personnes sur le live, Étienne, puis l'autre, je sais pas c'est qui. C'est pas moi. C'est Simon, hein? Moi, je vois trois personnes sur la live. Ah! Moi, j'en vois deux. Ah, là, il y en a deux maintenant. Ouais, c'est ça. Moi, je vois juste deux. Pour moi, ça, pourquoi? Parce que Eric faut qu'il commente la game pour. Non, il va pas non savoir que la game soit plus intéressante. Ben, faudrait que Roger soit là aussi pour voir s'il y a deux commentateurs. Je sais pas, il y a. Oui. Je pense pas qu'il y a eu pas mal. Ben là, même. Roger, il est supposé d'être là à cette heure-ci. Là. Ben, Connor lance dans le logo. Comme s'il ne savait pas qu'il y avait 5 trous alentour. Tel un Connor, en plein dans le seul trou qu'il y a pas. Qui n'est pas un trou en fait. Brody, joue-t-il vraiment pour les Maple Leafs, Brody? Est-ce que c'est une réalité ou de la fiction? Paraît-il que le jeu est updaté? Mais que c'est la réalité. Matthews lance dans la bande. Il a manqué la porte. Il voulait lancer à ses collègues dans tout le banc. Ça aurait été trop d'hommes sur le banc. Ou trop de puck sur le banc, je sais pas. Ça serait compliqué comme une pénalité. Connor perd la puck tel un imbécile. Et il la reprend, mais il ne fait rien avec. Il reste en arrière des buts. Connor. Oh, le tir de Connor. Qui n'est pas plus intelligent que lui-même. Et là, jackpot. Voilà, Nylander. On passe à Brody. Ok, parfait. Brody, à Nylander. Nylander pivote sur lui-même à Brody. Brody, la passe à Riley. Riley à Brody. Les défenseurs s'échangent telle une partie de ping-pong. Ils ont oublié que c'est du hockey qu'ils jouent. Et Matthews. Oh, la tir de Nylander! Un tir surprise! Hey, oh, là, le papa de Juliette, il prend beaucoup de place dans mon écran. OK. C'était comme un gros bloc noir. Ouais, parce que, genre, je sais pas pourquoi ça veut dire. Alors, Patrick Lane. Ah, la rondelle et Matthews. Matthews remonte la rondelle. C'est un 2 contre 0. Oh, quel arrêt! Un arrêt fait par le joueur Nathaniel lui-même en personne. C'est Nat, là. C'est-tu un vrai move, ça? C'est-tu vraiment quelque chose que tu fais pour vrai, là, par ton goaler? Ouais, je l'ai tassé. Tu fais ça régulièrement ou tu fais ça pour le triple? Non, c'est parce que... En finale de la Coupe EA, tu fais ça? Non, c'est parce que... Tu sais, je le fais exprès parce qu'on joue avec... Je joue contre Jack, mais souvent, c'est que je fais une saison avec les Oilers, vu que c'est mon équipe préférée dans la vraie vie. Puis les goalers, c'est Koskinen puis Mike Smith. Ils sont très poches. Fait que souvent, ouais. Je les contrôle parce qu'ils sont pourris. Hey, je peux te faire un but? Je suis à la maison, là. C'est drôle, hein? 1-2 contre 1 encore une fois!
Que se passe-t-il avec les Jets? Ont-ils perdu du carburant? Et voilà. J'ai la misère à voir les noms des gars. Le jeu il est plus loin, hein? Dans le 21 par défaut, là. Ah, c'est moi qui ai mis ça. Ok, je pensais qu'il avait écouté Garrett. Non, Thompson. C'est moi qui ai mis ça. Thompson le tir. Un arrêt facile d'Anderson de la mitaine. Et là, Thornton, le vieux Joe Thornton, qui s'est rasé pour aller jouer en Suisse parce qu'il ne tolère pas les pouilleux en Suisse. Et voilà à Simmons. Simmons qui est aussi un vieux gars. Un mélange de vieux gars et de jeune gars, c'est Maple Leafs. Oui, effectivement. Et hey, voilà, Appleton. Appleton qui est sous les effets des fumes du rhum qu'il prend sans cesse. Et là, Jason Spezza, le vieux Jason Spezza. Il y a vraiment des ancêtres dans cette équipe comme Joe Thornton, Spezza, Simmons. Ça, c'est du 40 ans, ça, là, mes amis. Anderson, un arrêt facile qu'il remet. Il dit, tire-moi encore dessus. Wow, c'était trop facile. Et voilà, four. Oh, et le but! Anderson a perdu son pari. Loser. Hey, toi, Eric, peux-tu lire les commentaires? Sont comme non hein parce que tu vois la game à Jack. Les commentaires sur YouTube? Ben c'est parce que moi là sur mon écran il y a un genre de comme demi-pied de ma télé qui est réservé à les commentaires que le monde écrive. Puis Simon là il écrit plein d'affaires. Fait que je pensais que t'es. Non. Je pensais que t'es voyant. Non, je vois pas ça. Parce que au pire, qu'est-ce que vous pourriez faire, c'est que là, tu mets ton ciel à côté puis tu prends le live, mais tu fermes le son pour pas que tu t'entendes en retard, là, parce que c'est gossant. Puis que tu regardes de temps en temps si le monde n'écrit pas des affaires dans les commentaires. Alors, on vient d'annoncer le but de Blake Wheeler. Cité de Mark Scheifele. Mike Scheifele ou Mark, je sais plus trop. Tavares gagne la mise au jeu à Dermot. À qui Sundin? Stachny. À Ehlers. Ehlers fait la passe à lui-même et ça réussit. Et voilà la passe en arrière à Forbord. Ford ou quoi? Stachny. Stachny la passe à Lane. Lane qui n'a pas réussi à effectuer son tir. La sortie de zone. Sortie de zone. Deux fois raté. Lane reprend la rondelle. Oh! Quel! Il se faufile! Tel un aiguillon dans une paille de foin! Oh mon sang! Oh! Un breakaway! Et voilà oh. Matthews! Pour moi. Crampe au cerveau des deux côtés de la patinoire! Ouais! Il file à toute allure. Wheeler, Wheeler, Wheel. La passe au défenseur à Demelo. À Forbob, j'ai pas encore compris son nom. Wheeler, Wheeler reprend. Relance à Forbob. Et Jets contrôle la rondelle jusqu'à temps qu'il la perde. Numéro 44. À Dermot. Matthews. Matthews qui on l'a vu beaucoup ce soir. Et Wheeler qui wheel! A déjà un but ce soir. Quel arrêt d'Anderson! Et là, les Jets ont les sens beaucoup plus confiants depuis le but de Wheeler. Bah ouais, c'est fini. Et hein. Voilà. La confiance vient de s'effondrer en quelques secondes seulement. Ils ne s'étaient pas rendu compte, les Jets, qu'il manquait de temps pour gagner ce match. Voyons. Jusqu'à la fin. Ils se sont battus. Et c'était un test incroyablement. C'est qui a gagné? C'est les Maple Leafs. Ben là, c'est Jake. Mais là, demain, Simon, as-tu dit avec qui que les gars, ils... C'est quelle équipe comme moi j'aimerais ça faire des commentaires avec des teams de légende là. Ouais, avec, c'est vrai. Avec Gretzky, puis Mario Lemieux, puis Brett Hall, puis attends, ben on va... Simon, il est encore là, merci Étienne. Simon, t'as-tu choisi les équipes? Ça serait qui les vieux? Écris-nous dans les commentaires s'il vous plaît si t'as choisi les vieilles équipes pour qu'on... Au pire, on pourrait jouer avec ceux-là en ce moment. À la place de niaiser avec les Leafs pis les Jets. Roger, il est toujours pas là? Ouais, ça, Roger, je vais l'appeler, Roger. Hey, Siri. Call Roger. Ah, il appelle Roger, c'est comme mon fournisseur téléphonique. Non, c'est pas vrai.
sont les hey, à part de changer la cosmétique du jeu, ils ont pas rien changé. Ce jeu-là, il est vraiment pareil. Oui. Ouais. J'attendais mon meeting. Ok. Un meeting. Hey, Jack. Nat, je l'ai tous les temps, fait dans les équipes, là, va voir. Mais, et Simon, il écrit, oui, les vieilles. Mais là, pas les plus forts. Il y en a deux. Va voir. C'est quoi les équipes? C'est Association des Anciens? Va sur YouTube pour avoir le feeling d'être un passager. Puis après ça, t'appelleras pour qu'on te donne les indications pour avoir le feeling commentateur. Non, mais attends, là, juste me connecter, voir qu'est-ce que ça va. Ben, c'est ça que je te dis, là. Va-t'en feeling passager. Là, John, Simon, il écrit. Simon, il écrit dans les commentaires meeting avec sa femme, lol. Oui, c'est que là, il part une game. Il part une game des légendes, là. Ça, c'est Wayne Gretzky que tu vois, là. Mais non, c'est pas Wayne Gretzky, c'est Word of CHL. Ah, non, non. Non, non, attends une minute. T'as pas le bon lien, là. Va sur le lien qui est marqué live. Au pire, dis-y qu'il est sur YouTube et qu'il recherche mon nom complet, Nathaniel Paquette, il devrait le trouver. Non, mais c'est j'y ai envoyé le. Il m'a envoyé Beyond That Really YouTube, il y a 33 minutes. Je clique dessus. Quand je clique dessus, c'est une vidéo de 11 minutes. Non, non, c'est ça, c'est pas ça. Ben, envoie-le moi. C'est mini Matou, non, 2-3. C'est moi. C'est Nathaniel, là. Mais ben là, attends une minute. Est-ce, guys, non, est-ce que vous c'est matin, encore? Ça. Moi, je t'en... Ça, moi, c'est le match de matin, Calgary, Edmonton. Ouais, là, vous autres, les gars, est-ce que vous diffusez la game encore sur YouTube? Ouais. Parce que de mon YouTube, là, je vois pas la même chose que je vois. Je vois pas Wayne Gretzky, là. Tu vois quoi sur YouTube? Je vois Toronto Buffalo. Ancien Buffalo? J'entends quand même, dans la vidéo d'11 minutes, j'entends les gars parler. Ouais, 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 mais c'est vieux ça, c'est du vieux stock. La vidéo d'11 minutes, c'est un matin. Eric. Non, mais c'est parce qu'en ce moment, ils diffusent, là. Attends, mais Eric, parce que dis à Roger qui écrit sur YouTube mon nom complet. Non, attends une minute. Ah. Non, c'est ça. C'est pas ça. Ah, Eric. Non, mais c'est. Il est sur ton channel, Nathaniel. Il est sur ton okay, channel, écrit, mais moi. Écrit. Ouais, c'est bon, moi il est aussi, là. Moi aussi, moi aussi, je suis sur ton channel, mais je te vois pas. C'est quoi ça? J'entends même Nat. Même Nat, mon nom complet. Ouais, c'est ça que je disais. Mais Jack, pogne, il y a une équipe par rapport, tu sais, j'ai trouvé Buffalo, là. À moins qu'Eric veut pas commenter sur Buffalo, là. Ni Roger. Mais quoi, tu parles mais pourquoi vous faites pas les étoiles des deux bords, ouais, là? Les étoiles dans le sport? Ils veulent, mais c'est parce que Simon, il veut pas qu'on prenne des grosses teams hackées. Mais. Ouais, grosse team, go! Ok, mais je vais prendre. Ok, mais Jack, tu prends-tu genre Est pis je prends Ouest, quelque chose dans le même? Oh, ouais, c'est plus bien. Non, il regarde. Ben, prends Est. Prends Est, Jack. Des étoiles tous les temps, Nat. Ben, moi j'ai ouais, pas ça. Ça, par exemple, sur la PS4, Roger, il faut que tu te fasses inviter par eux autres, là. Mais c'est quoi son ID PS4? Ouais, c'est bleu. Ben, c'est ce que je m'en vais dans les amis pour chercher Roger s'il va être dans le call de PS4 parce que je suis pas ami avec. À moins que. Eric, toi, non, ouais, t'es en screenshot avec Jack, hein.
Comment t'écris ça? D.A.D. Ouais, c'est beau. Ok, là, il va avoir reçu une demande de Mini Matthews. Ouais, mais il faut que ce soit ami avant, je peux pas l'inviter si c'est pas mon ami. Bon, ben là, quand t'es dans le menu principal, tu vas dans l'espèce de case d'écoute, là, party, là. Encore, il est malade. Oui, Simon, ouais, go avalanche. Tu es dans le i en haut, Eric, à gauche. Ok, va dans le i, dans notification, là. Là, dans notification, tu vas voir qu'est-ce que les autres ont envoyé. Ah, demande d'année reçue. Mini Matthew, c'est moi. Ouais, c'est ça. Ben, c'est Mini Matthews. Ouais. Non, mais c'est lui, c'est ça, c'est ça, c'est lui, c'est lui. Dis oui, dis oui, dis oui. Ah, ouais, c'est vrai, Mini Matthews. Là, j'ai reçu une. Eric dit qu'il a été invité pour. Non, non, t'as pas besoin, du jeu. Là, je vais connecter mon oreillette. Là, il va t'envoyer l'invitation party. Là. Je l'ai déjà faite. Oh, puis Jack, c'était quoi l'affaire que Eric devait faire? Dans notification. Dans notification, là, tu vas le voir. Là, c'est vrai, les gars, faites les étoiles contre les Jets? Non, c'est juste que j'attends que Jack choisit étoile de l'Est. Excuse-moi, Roger, quoi? Parce que là, il y a comme plein de monde qui me parle en même temps. Allô? Allô? Ok, je te raccroche, Roger. Bon. Hello. Ben, si tu veux être dans le live YouTube pis qu'on t'entende pour que tu commentes la game, c'est quoi Jack faut qu'il fasse et Roger dans le party? Ouais, Roger. Ok, mais faut que je fasse un. Non, je peux pas faire genre partage avec. Il est bloqué, genre partage parce que je suis déjà en streaming. Ben, ça dit d'autres joueurs du groupe utilisent déjà le genre partage. Ouais, là on a. Non. Ben là, même moi je peux pas. Parce que ça me dit que d'autres joueurs ils utilisent déjà le genre partage.
Mais c'est parce qu'entre eux, ils pourront pas s'entendre parler, Eric et Roger. Fait que là, ils vont parler les deux de leur bord, mais dans le live, ça va avoir l'air d'un gros mouton. Mais quand est-ce que Roger va savoir qu'Eric arrête de parler et vice versa? C'est pour ça que le zoom est nécessaire. Ah, mais. Sac. Ouais. Je peux pas parce que Jack il fait déjà. Oui. Ben, Jack, arrête le sharing avec Eric pour voir. Parce qu'Enoué, le. Enoué, il va finir dans genre une dizaine de minutes, là. Je vois ça. Ok, quand vous parlez, je vois dans mes amis le monde qui parle, c'est bon? Parfait. Donc là, c'est Jacob qui parle? Non, là, c'est Nat. Ouais, c'est vrai, Simon, mais ça c'est non. Simon, il écrit dans les commentaires qu'il veut juste entendre Eric puis Roger, mais il me semble qu'on s'était pas dit que vous vouliez comme. Admettons qu'en Nathan il va jouer, que si vous leur posez de questions, faut que mon micro soit ouvert, non? Ouais, ouais, si on est capable de faire ça. Ouais, j'ai juste à boucher mon micro comme ça. Ouais, au pire, en deux périodes, on fait une entrevue après la première période avec un joueur, là, pis ouais, ouais. Ça marchait. Là, comme tout marche, si on est capable d'avoir Roger qui voit. Moi, je peux. Là, ça me dit. Là, ça me le dit, là. Démarrer, j'en partage. Ah non, ça me dit impossible d'utiliser cette fonctionnalité pendant la diffusion d'un jeu. Ah, je peux plus. Genre, il était unlock, là, le bouton pour que je le fasse, mais quand je clique dessus, il me dit que je peux pas vu que je suis en live. C'est ce que je pensais que ça allait arriver aussi, là. Ben, il va venir jouer sur mon PlayStation, Nathan, fait que, tu sais, je vais tout y préparer ça, puis après, il va jouer, là. Plexiglas pour pouvoir respecter la tradition de tout nudité.
Ouais, mais je veux dire, même si on l'avait déjà fait, Eric, je pense pas que tu l'aurais dit au petit gars, là. Mais tu parles de quoi, là? Ok, j'ai jeu en partage. Fait que je clique dessus. Je ouais, rejoins le jeu. En quoi? Ok, fait que je rejoins le jeu en partage de Jacob. Mais là, il va juste ouais. en voir moins. Il a pas ouais, ça. Mais ça va donner une idée quand même. Hey, Guillaume, viens voir ça. Comme là, tu vois mon écran, c'est ça? Ben là, l'autre est absent du jeu, attendez que l'autre revienne. Ben c'est ce que Jack peut faire sur NHL, là. Si t'es dans ton mini PlayStation, il peut pas le voir. Je vais répondre à Simon, là. Simon, il y a plein de questions que personne n'y répond. Ben, il dit qu'on est en train de gosser là-dessus, là. Ben, il nous entend, il t'entend, en fait, là. Il t'entend. Simon, il est dans le... Il est dans le chat, il est dans YouTube, lui, Simon. Ben, c'est ce que... En conduisant. C'est Jacob contre Nathanael. Puis en allant jouer au hockey contre des gars pleins de COVID, dans un vestiaire avec plein de monde. Mais là, il doit t'entendre, là, Simon, là, qu'est-ce que tu dis, là, il t'entend, c'est sûr. Il nous entend les quatre, en fait. Fait que tout le monde nous entend sur YouTube qui parle de tout nu. Ouais, mais il y a deux personnes, c'est genre Simon puis quelqu'un d'autre. Ok, mais là, quelqu'un qui... d'autre, on sait pas c'est qui. Non, je sais pas si c'est Étienne, mais est-ce qu'entre nous quatre, les gars, il y a quelqu'un qui est sur mon live en ce moment? Hey, moi, je suis sur le live. Ah, ben c'est toi la deuxième personne. Ben, il y a Guillaume aussi qui était sur YouTube, là, du live de Nat, là. Ouais, ben, je peux arrêter le live juste est-ce pour le faire. Il est encore sur le live ou il l'est plus? Ben, je sais pas, là. Je suis pas devant... C'est parce que là, je suis comme sur deux... Il faudrait que j'amène mon laptop à côté pour voir. En tout cas, ça me dit qu'il y a deux personnes. Là. Ah là, il y a une troisième, fait que... Je sais pas c'est qui la troisième, par contre. Non, mais c'est pas grave, là. On dira pas de niaiserie sur... en direct de l'univers. Ben oui, je suis pas très famous sur YouTube. Je pense pas qu'il y a grand monde qui va venir regarder ça. Ben quand même, là. Attends, t'as fait quoi, Guillaume? Ben là, on peut juste essayer de partager les games pour demain, le test, là, entre... Mais Eric, je sais pas si vous avez entendu la grosse nouvelle, mais apparemment que Coché, sa PS4, son PlayStation, il est brûlé. Ouais. Ouais, c'est ouais. Que, peut-être qu'il va juste perdre par défaut là. Là, ça a l'air, il lui reste comme 18 heures là. avant de trouver, il a dit que hey, mais... il est mieux de gagner la game s'il est pour payer 800$ de PlayStation. Ah hey, mais Eric, j'ai trouvé une solution, Eric. Ouais. Est-ce que là, on se parle, admettons là, toi pis Roger, vous commentez la game. Là, Roger, tu regardes l'écran de Jacob? Ben là, Jacob, il m'a désactivé. Là. Non, je pense que ça a juste coupé, t'as pas recommencé. Tu reprendras l'invitation. Parce que, admettons là... Continue ta solution. Admettons, normalement, là, Roger, il regarde l'écran de Jack, pis ben, le Jack, ça serait, admettons, Coché ou moi, là, n'importe qui. Ouais. Mais vu qu'il regarde l'écran de Nat. Mais vu que Eric peut pas. Non, c'est ça, vu qu'on peut pas avoir deux share screen dans le même groupe, mais faut que vous restez vous deux dans le même groupe pour vous parler, pour faire les commentateurs. Ouais. La seule affaire, moi, je verrais, ça serait que je fasse un appel FaceTime avec Eric, puis que je monte la game sur ma télé. Ça, c'est sûr, c'est en live, il va l'avoir en même temps que Jack. Ouais, mais ça, c'est comme ça qu'on l'avait pensé la première fois, là. Mais c'est pas comme. C'est pas l'idéal. Mais juste pour d'avoir... que tu commentes. Mais juste pour que tu puisses voir la game pour commenter. Ouais. En même temps que Roger. Parce que sur YouTube, c'est décalé. Dans ce cas, FaceTime, c'est en live. Ouais, ouais. On avait pas fait ça, là. Ça, c'est la première chose qu'on avait pensé, c'est d'avoir une caméra sur une télévision. Non, ouais. Mais comme tout le monde va pouvoir le voir sur YouTube, c'est juste toi, Eric, qui va voir l'écran à Nat sur FaceTime. Ouais, je comprends. Je comprends qu'est-ce que vous dites, là. Ben sinon, je veux dire, c'est juste ce que je voulais dire, on parce que sinon... On peut-tu l'essayer tout de suite pour voir? Parce que peut-être qu'il va y avoir un petit décalage, là, entre le FaceTime Il y a un gros décalage, par contre, là, sur YouTube, là. Que je... ouais YouTube, non, mais il y en a un, YouTube, il y en a un. C'est juste pour les spectateurs, là. Ouais, mais c'est... Les gars, je suis... Hey, c'est poche qu'on peut pas diffuser la game sur plusieurs PS4 en même temps, là. Ouais.
Ben, en fait, ça se fait, c'est juste le, au niveau ben, de comment, pour les commentateurs, tu sais. Dans le fond, la solution la meilleure, la plus simple, là, ça, c'est qu'on ait juste un commentateur, que ce soit juste Roger qui le fasse. Ouais, mais attendez, les gars, il y a une autre affaire là, que j'ai une pensée, là, c'est que là, ma PlayStation vient de m'afficher un message qui dit que ma connexion est faible, que le partage risque de d'arrêter. On peut l'essayer. On peut le tester si tu joues une game. Ben, joue une game puis partez une game pis on va voir là. Ouais, okay, c'est ça, regarde. On fait une game avec Roger commentateur, puis moi je suis pas là, je vais juste être un spectateur comme n'importe qui d'autre. Ben oh. C'est bon. Parce qu'au pire, sinon, genre les vous deux, Roger et Eric, vous pouvez être en appel normal, pis comme, tu sais, pendant l'autre fait son genre de Maguire pis je sais pas trop quoi, mais tu sais, vu que l'autre va regarder le live, il peut comme parler après, mais on va quand même entendre les deux si genre... Ah, c'est ça, oui, c'est la meilleure idée, ça, je sais pas, ouais, c'est une bonne idée. Tu comprends ce que je veux dire, Jack? Je sais vraiment pas comment expliquer, mais tu sais ce que je veux dire? Ouais, c'est que, admettons, Roger commente la game en direct. Puis toi, Eric, t'es au téléphone, tu parles au téléphone avec Roger en même temps. Fait que t'entends quand il parle, tu parles pendant qu'il parle pas, d'un moment de pause. Puis toi, tu check la game sur YouTube. Ouais. Ouais, il y a un décalage comme d'à peu près 30 secondes. C'est que ça serait possible de faire ça, ouais. Je serais plugué avec vous autres dans le groupe comme je suis là, mais je regarderais sur YouTube. Regarde, on le fait. Partez la game, je vais regarder sur YouTube la game. Elle est partie. Mais moi, ma connexion a été interrompue. Ok, fait que là, c'est peut-être Eric qui pourrait commenter le direct, parce que je pense que c'est le Wi-Fi à Roger, parce que tantôt avec Eric, la connexion avait jamais décroché. Non, ça a décroché. Ça a décroché aussi tantôt, je sais pas, ouais. Ah, Jack, on va. Ouais, attends, je vais essayer de. Je vais te renvoyer une demande, Roger, pour le partage. Je comprends pas pourquoi ça lag. Pourtant, l'internet est pas. Commenté. Simon, il demande un commentateur, là. Ah oui, mais là, Simon, calme-toi, là. Ouais, le BCT, il t'entend, là. Simon, il t'entend, là. C'est. Rejoins le jeu en partage. Ok, Jacob, là, je m'en reviens. Ouais. T'as pas long, là? Moi, sur YouTube, je vois comme 10 gars qui se demandent quoi faire sur la glace. Est-ce que tu vois, ouais, je vois. Alors là, on voit bon. Qu'elle est... Oh, là, il rentre, il se poigne la rondelle, François, puis il s'en vient. Il a une punition. Incroyable. Il en a même perdu son casque, mais comme j'étais un imbécile, je me rends compte que c'est tous les gars qui ont pas de casque. Ouais, là, je peux commenter. Je vois que ça a été un tripping. Et puis, numéro 23, c'est fait en fargé. Tu vois, Eric, ça reprend, le match reprend. Robinson, la passe à pas de vin à quelqu'un, que bon, je sais pas qui. Le numéro 9, la qualité de la connexion est faible. La connexion de la session de jeu en partage risque de s'interrompre. J'ai ce message. Je suis très excité présentement, mais la connexion est à chier, mesdames et messieurs, et voilà, c'est terminé pour moi. Ça marche pas. Je me suis encore fait kicker, man. Ah oh, ouais, c'est quand même bizarre. Ben, c'est Roger, ton internet est trop faible. Mais j'ai aimé la partie à Eric, puis après Roger qui le coupe, ça c'était vraiment drôle. C'est bon, c'est bon. Ouais. Ben d'abord, Eric, toi, tu devrais commenter la partie en direct, puis Roger, c'est l'autre à l'heure. Ouais, mais faites les rôles, les mecs. Moi, je suis moins bon que Roger à faire ça, là. Ouais. Roger, si sa connexion coupe, il peut pas commenter en direct à ce moment-là. Non, mais toi, Eric, on... Ben, Roger, appelle ton fournisseur Internet, là, puis upgrade-toi, là. Eric, je suis déjà au max. Je l'ai déjà fait. Je suis au maximum de ce que je peux avoir. Ouais, mais t'étais avec qui, là? T'étais avec quelqu'un qui fait des ventes de garage, ou t'étais avec une vraie... avec Belle. Ah hey, ouais, puis, ah, quand c'est même. Ça, ça, c'est comparable à ceux qui font des ventes de garage. Belle, ça attends. Fout de toi. J'ai changé de fil. J'ai aussi... J'ai demandé au gars, j'ai-tu de la fibre optique? T'as pas de fibre optique dans ton coin. Fait que, je suis comme au maximum du fil de cuivre. Ouais. Mais Simon, il écrit dans les commentaires, Roger, ton internet, c'est-tu avec WIND, Wind? Hein? Ouais, quand tu fais la connexion, comment tu connectes? Est-ce que c'est par fil? C'est par câble
Internet ou par réseau Wi-Fi? Là, non, regarde, moi, je dis qu'est-ce que je vois, OK? Moi, en ce moment, je vois une bataille dans le coin avec, là, c'est Mario Lemieux. C'est vraiment petit sur YouTube, j'ai la misère à... Je viens d'avoir un arrêt d'Anderson. C'est Anderson. Sûr que je pourrais peut-être essayer de brancher la PS4 directement sur le LAN du modem. Peut-être ça, ça l'aiderait. Ah, oui, oui. Si tu mets pas en Wi-Fi, mais ouais. en Internet, ça va marcher. Ouais, ça va marcher, là. Ça, Roger, ça se peut aussi que ton Internet soit en feu, mais que ton modem, il soit... Parce que là, tu me dis que t'as rentré plein de nouveaux appareils, là. C'est que des fois, quand t'as trop d'appareils, ça jump. Eric, j'ai changé le modem il y a pas deux mois, là. J'ai pris le modem, le Top Gun de Bell. J'ai tout mis, je suis au max, là, de ce que je peux avoir avec Bell. OK. On est bon. Mais... C'est ça, tu sais, comme Vidéotron, eux autres, ils s'en foutent de leurs employés. C'est très différent, ça. Très différent. Mais Vidéotron, par exemple, ils t'augmentent à tous les mois. Ils disent, ah, là, à cause qu'ils vendent un petit peu fort dans ton coin, t'as demandé 5$, pis là, l'autre jour, on a remarqué une augmentation d'Amazon là dans votre quartier là, il y a beaucoup de monde qui se font livrer du Amazon. Donc tu te dis c'est quoi l'affaire avec Amazon? Ouais, ben eux autres ils ont tous des téléphones intelligents là, ces gars-là, là, c'est que là ça suce notre Wi-Fi, ça fait que tu payes pour eux. Ouais ben parce que là Simon il est là. Non, il nous écoute. Il nous écoute moi puis il écrit là de temps en temps. On est devenu son poste préféré. Ça, c'est quand même drôle, hein? C'est vrai que tu peux... Bon, ben, regarde, redonnez-moi le feed, là. Ouais. Attends, moi, je vais essayer de me connecter avec directement... Ton Wi-Fi sur le PlayStation, puis... c'est toi, Jack, qui peut share. Au pire, share avec Eric pour l'instant, le temps que Roger y revienne, là. Je me déplogue juste un instant, là. Pas de trouble. Là, il y a une autre affaire qu'on n'a pas réglée, là, Roger, c'est que online, là, t'as un temps limité, là, de comme 30 secondes entre les périodes. Pis ça c'est poche. Ouais, il y a l'après-game par contre que tu peux gérer comme tu veux entre les deux parties là. Mais pendant les entre les périodes, c'est ça, c'est là, 30 secondes. La game de demain, bye, c'est une 2-3 ou c'est un duo d'air? Ouais, c'est un 2-3 je crois, me semble. Ok, ouais, ça serait bon ça. Bon, les aluminiums sont dans le milieu de la... Et là, on a Wayne Gretzky. Wayne Gretzky, il va de ses mains magiques. Il hésite pas. Il fait semblant d'hésiter. C'est d'où toute sa magie. Alors, mécanisme. Wayne Gretzky, le tire. L'arrêt de Brodeur. C'est du Brodeur? Je prends des chances sur l'histoire. Peut-être que je change l'histoire. Et là, 31, ça pourrait être qui, ça? C'est Grand Fury, mon gars, là. Oh, Grand Fury. Le plus beau noir de tous les temps avoir gardé des buts. Alors, Eric, je suis là, Eric. Ah là, il y a un arrêt de jeu, je vois que le gardien de but se promène autour du filet. Oui, et là, maintenant, on reprend le jeu. Et là, c'est Robinson. Robinson n'a pas de vin. Pas de vin à Béliveau, pas de vin. Retour à Robinson. Robinson n'a pas de vin. Et c'est la partie de ping-pong. Qu'on a l'habitude de voir de Jackpot. Jackpot aime beaucoup le ping-pong entre ses défenseurs. Et on reprend à l'extérieur. Jean Béliveau contre Mini Matthews, whoever this is. Jean Béliveau n'essaye même pas de gagner le face-off tellement il est un gentleman. Et là, on a Bobby Clark. Et là, j'ai oublié de faire Bobby mon commentaire Clark. Parce que je ne regardais pas mon téléphone cellulaire. Non, Lidstrom, le plus grand défenseur à avoir donné 5 mises à un échec au complet dans une carrière complète. Et là, on a Lidstrom, ça va dans le breakaway. La passe, une passe de trop. Ah, c'est qui ça, numéro 8? Primo Salané? Ouais, Salané, ouais. Lidstrom est concentré à Chris Chelios. Dans mon enfance, je pensais qu'il vendait des céréales. Jusqu'à temps que je me rende compte que c'est pas Cheerios, mais Chelios. Et voilà. Okay, hey, c'était Maurice Richard, ça? Que c'est live, je vais parler. Parle, Eric, pour montrer à ma femme que c'est live. Et alors, maintenant, on voit que c'est live. C'est de la vraie télévision. de la fameusité, de la magie de la télévision. Et là, Chelios, vraiment. Ah. Oh non, laissez-moi maintenant c'est Trottier à Raymond Bourque. Raymond Bourque! Pas la rondelle!
au défend de Steve Yzerman. Mais là, il y a beaucoup de langage ici, de mon côté. Et là, Mike Modano, le plus beau, le plus grand Américain à jamais avoir touché une surface glacée dans toutes les États-Unis d'Amérique. Et maintenant, Steve Yzerman tente de trouver un chemin pour la rondelle, mais l'affaire. Il y a beaucoup de trafic en avant de l'enclave. Phil Housley. Phil Housley, une autre personne que je pensais qu'il vendait du café. Et puis, que dire de Paul Café? Écoutez, mon enfance était très mélangeante. Très mélangeante. J'ai été traumatisé par le hockey. Peut-être pour le mieux. Alors maintenant, on a... Wayne Gretzky a touché la rondelle juste un petit peu et ça m'excite. Est-ce que vous laguez vous autres de votre bord, les gars? Non, non, là, non ça va. Ah, moi aussi, c'est top team. Ok. Alors, ben, Phil Housley. Ah, ben, c'est toi qui joues fermé. Et là, Raymond Bourque à Phil Housley. Beaucoup d'hésitation, beaucoup de contrôle du côté des aluminium blancs. Une mise en échec de Wayne Gretzky. J'ai jamais vu quelque chose de. Et là, Phil Housley, beaucoup de temps de rondelle. Oh! Quelle feinte, mes amis! Et Mario Lemieux, le magicien, le magnifique! Mario Lemieux se fait rentrer dans la bande. Et là, ça bug vraiment les filles de mon côté. Oh! Quel aïe! The Grand Fuhr, le moustachu noir des années 80. Oh là là! Et voilà, un petit but simple. Après tant d'efforts, tant de fermeture, tout d'un coup ça s'ouvre et un but super des plates de quelqu'un qui n'est même pas une légende, Henrik Sedin, qui est récemment retiré, il y a seulement quelques années, rien à voir avec quelqu'un qui est retraité et même décédé comme Jean Béliveau. On en dira plus sur lui lorsqu'il sera mort. Bon, les gars. Oui. Mais non, il est pas mort, il a à peu près 27 ans. J'ai connecté la PS4 directement sur mon LAN. Est-ce que. Ah oui, ça va beaucoup mieux de mon côté depuis. Okay, depuis ben... que t'as fait ça, Roger, là, ça lag plus de mon bord. Mais Jack, le mieux. Ah, Bobby Clark. Bobby Clark qui n'a plus une dent dans la bouche, mais qui aime encore sourire. Bon, ben, ok, l'autre période, c'est moi qui a dit. Ouais, on finit la période dans 30 secondes, puis Jack, il te réinvitera. Mais à date, ça a l'air à tenir le coup, là. Paul Café à Sedin, à l'autre Sedin. On sait pas quel Sedin est Daniel et Henrik, à part du UH puis du D, mais ça c'est un mystère. Pourquoi mettent-ils des H et des D en dessous des Sedin? Je ne comprends pas. Et là, Brett Hall! Est-ce qu'on verra son tir? Est-ce le père ou le fils? Ils pourraient jouer ensemble tellement cette technologie est fantastique pour nos yeux. Chris Pronger, à Lemieux, à Bobby Clark. Bobby Clark dégage dans le fond à Guy Lafleur. Guy Lafleur qui a une cigarette dans la bouche, même dans le jeu. C'est incroyable. C'est vraiment bien de voir ça. Le jeu respecte. On voit qu'il n'est même pas essoufflé. Il a besoin de cigarette pour te ralentir un peu. Sinon, Lafleur écloserait au printemps. OK. Il bourgeonnerait de jeunesse. Et la bourgeon de la jeunesse a dit OK. Bon, ok, tu me partages le jeu, je vais essayer voir si ça fonctionne de mon bord. Là. Ouais, j'essaie de faire ça là. Je pense, je sais pas si Eric, tu es déconnecté. Ouais, je suis déconnecté. Moi, là, je me connecte sur le YouTube. Bien, hein. Ok, ça va pas long. Ouais, je suis déconnecté. Moi, je me connecte sur le YouTube. Ouais, je suis déconnecté. Moi, je me connecte sur le YouTube. Je m'entends juste, 4 fois. C'est bon ça? Bon, un instant. J'ai une question, les gars. Est-ce que moi. Okay. Deux fois. Pourrais-tu jouer live? Jouer? Non, c'est quelqu'un qui regarde, je pense pas que tu peux jouer. Bon, là, je décoche live, j'écoute le YouTube. C'est bon. Alors, est-ce que je suis là? Hey, j'entends gricher. Pouvez-vous faire pause, les gars? Ouais, je sais pas, mais c'est pas moi, je pense que c'est Eric. Ouais. Parce que là, je suis en train de me défoncer les tympans de Ouais, moi aussi, je l'entends, je sais pas c'est quoi, Ah, moi aussi, ça fait mal.
C'est quoi ça? C'est Eric. Guy Lafleur. Guy Lafleur qui s'avine devant le filet. Oh, c'est raté. Elle la remet à Mario le Magnifique qui cherche à remettre. La remet à Robinson. Robinson n'a pas de vin. Pas de vin. Patient avec la rondelle. La remet à Flower. Flower à Clark. Clark la remet à pas de vin. Et c'est Robinson qui décoche un lancer. C'est Rodri. Repris par Lafleur. Lafleur à Robinson. Robinson n'a pas de vin. Et là, on sent que l'équipe de. Et là, c'est repris par l'équipe. C'est qui a dit Lafleur, là? Les blancs, c'est Est. Puis les bleus, c'est Ouest. Non, non, mais les jeux, c'est Nat. Ok, mini Nat. Ok, Nat, son équipe. Nathanaël. Nat. Cherche à remettre. Ah, c'est l'année. C'est l'année qui se fait étamper par un gars qui a pas de casque. Il a ses repris par Jack. Jack qui la remet à Lemieux. Mario Lemieux. Marlon, mais qui s'en va en échapper. Chelio sera. Et là, mais non, mais Lemieux. Ah, incroyable séquence, mais. Non. Oh, quel but de Buck. Buck, le numéro 9. C'est un but extraordinaire. Là, Eric, peux-tu faire des petits genre. La photo. Johnny Buck. Je ne connais pas Johnny Buck, guys, et je trouve qu'il a marqué un très beau but. Mais, Eric, peux-tu embarquer et dire un petit commentaire? Alors, parce qu'il y en a Johnny Buck. Johnny Buck, un tir. C'est-tu trop tard, là? Ouais, non, c'est des... Eric. Continue, Eric, continue. C'est pas pire. Ah oui, je m'entends. Alors, un tir sur réception du côté gauche de la mitaine. C'est bon, Eric, c'est terminé. On reprend la match. Dans les niveaux. Hey, en fait, t'es en train de martyriser un chien. C'est quoi, ça? T'es en train d'égorger un chien dans ta maison, Eric. C'est malade. Effectivement, il y a un chien ici. C'est un combat contre un coq. Incroyable. Il y a beaucoup de sang ici, c'est très visqueux, mon flasque est très visqueux. Le coq est étonnamment gagne. Écoutez, je vais juste chaîner ça. Alors, on voit maintenant que c'est Nat qui a repris la rondelle, mais rate complètement son attaque. Guillaume voudrait parler, mais malheureusement, il n'a pas deux micros. Alors, Bilivo, passant avec la rondelle. On reconnaît le style Jack. Bilivo, la passe à Osley. Osley à Howard Chuck, je pense. Non, c'est repris par Nat. Nat qui remet à l'intitulant. Achilios, raté encore une fois. Il est quel beau but de Jean Bilivo. Je pense que j'ai un petit peu d'avance sur vous, les gars. Burkock, la passe, il la rend encore une fois. Mathieu. Premier Eisenman. Eisenman. Cherche à remettre à la pointe à Lidström. Lidström à Eisenman. Eisenman dans le coin à Edman. Je crois que c'est Edman. Non, c'est Dion. Eisenman. Lidström. Blake. Blake lance. Oh! C'est arrêté par un défenseur. Je pense que c'est Brad Park qui a repris la rondelle. Brad Park la remet à Trottier. Trottier à Andrew Chuck. Andrew Chuck la remet à Brodeur. Qui tranquillement la remet à Bourque à son tour. Et vraiment, on a besoin de s'organiser, mais là, Marovic s'en échappé! Marovic, la passe de l'autre côté! Non! Il ne la passe pas! Et Nadano, beau repli défensif, la remet à Cédine. Cédine, on est en zone centrale. Quel jeu défensif! Effectivement, Jack cherche à remettre, elle remet toujours à ses défenseurs, Brad Park, allez, je décoche le lancer. Marovic reprend devant l'enclave. Belle tentative, beau jeu défensif. Quel tir de Brian Leach! Il y a raté une punition. Non. Et elle s'est repris, toujours en zone centrale. Brett Hall la remet à Cédine. Cédine! Non, il n'y aura pas de punition! Quel arrêt de Brodeur! Quel arrêt d'eau! Quel jeu dangereux! Et c'est une belle chance ratée, mais c'est repris par l'équipe de Nat. Nate the Great. Et là, on revient. Jack repasse derrière son filet. Cherche à remettre. Il y a de la difficulté à reprendre le contrôle de la rondelle. C'est une contre-attaque de Nat. Nat perd la rondelle dans le coin à droite de Brodeur. C'est remis à Mario, à Guy Lafleur, excusez-moi, qui remet à Marcel Dion. Marcel Dion à Mario Lemieux. Mario Lemieux à Guy Lafleur. Et là, on s'organise une attaque. Lafleur cherche à remettre, passant avec la rondelle. Cherche à remettre à Lemieux qui décoche son lancer, c'est raté. C'est repris par Buck. Buck qui se fait tamper complètement. C'est digne. Il reprend la rondelle. Cédine cherche à remettre une attaque. Une attaque de Nat. Nat qui perd la rondelle. Repris par Cédine. Encore une fois, il perd la rondelle. Non, il reprend la rondelle. Quel beau jeu. Et c'est une arrêt de Brodeur. Bilivo. Contre-attaque pour Jack. Bilivo. Oh, quelle vitesse de Bilivo. Oh! Attention. Wayne Gretzky. La passe à Mini Matthews. Mini Matthews Gretzky. Oh, quel jeu. Bilivo est blessé de toi. Quel bel arrêt. Eric, tu peux parler.
Vendeur à la rondelle. Ah, c'est déjà guéri qui arrive aux 5 minutes. Ah, oh, mais quel tir de Iserman, il se lâche. Dans le fond, Guillaume est avec moi maintenant comme commentateur. C'est-tu toi qui as le micro? Non, t'as pas. Parce que, Eric, est-ce que tu nous entends sur le... Je vais reprendre le micro. Tiens, Guillaume prend l'écouteur. Ok, là, c'est le match reprend. Le match reprend. C'est Matthews. Oh, wow. Attention, il y a une faute ici, hein. Parce que pour et là, que... Et... arrête l'appareil. Hey, les gars, ça marche super bien avec le fil quand j'ai branché. Ah, right. Ouais, c'est bon. Mais Eric, pour qu'il fasse des petits commentaires, faudrait qu'il mette le live, mais qu'il ferme son son du live, puis qu'il mette les écouteurs de toi qui parle en live de la game, comme ça. Quand ouais. Toi, tu pourrais dire, genre, ok, tu peux parler parce que lui, il est comme un petit décalage. Allô? Hello. Allez, un peu, Guillaume, il veut vous dire quelques mots, les gars. Vas-y donc, Guillaume. Je viens de découvrir c'est quoi un micro sur la PS4. Ah! Bah, allez, tu vois, Guillaume, c'est sur les écouteurs. Ben, c'est ça que je me demandais, les gars. Est-ce que Guillaume, il pourrait jouer live ou faut qu'il s'inscrive à quelque chose? Ben, faut faire l'abonnement à PS Plus, là. Ouais, c'est combien, ça? Pour jouer en ligne, c'est quoi, Nat? C'est 65 par année? C'est quelque chose comme ça? Ouais. En fait, t'as des forfaits mensuels, t'en as un pour 3 mois, pis t'en as un pour un an. Ok. Ben, écoute. Mais non, pour vrai, à tous les fois, on joue. Ah, c'est qui là, je ne suis plus là, Zach m'a déplugué, 70$, ok, ça c'est Eric qui fait des commentaires live sur YouTube. Ouais, alors, Robinson qui se fait étamper, mais garde la rondelle, toujours tout solide, ce Robinson la remet à Mario Lemieux. Mario Lemieux, le 66, le magnifique, le gentil, magnifique Mario Lemieux qui la passe à Robinson. Robinson cherche à remettre, remet encore à Mario Lemieux. Comment ça, on est à 3 contre 3? Ah, nous sommes déjà en prolongation, j'avais complètement oublié. Alors, c'est encore une fois, c'était Mario Lemieux qui, malheureusement, ne trouve pas prenant. Il a fait un hors-jeu, effectivement, Eric, Guillaume. Alors, Guillaume, qui est le Danny Dubé, présente... Oh! Pas de main, lance! Oh! C'est raté à la droite. Ah-ha. À la gauche, moi, qui a rien vu de Nats, je ne sais pas si c'est C'est Grand Fure, non, c'est Fure. Ah oui, Grand Fure. Je le connais pas. Alors, Pronger, c'est des vieux joueurs. Hein. Yari Kouri, toujours en zone centrale. On cherche des options. Wingretti qui perd la rondelle, c'est repris par le magnifique Robinson, que j'ai toujours aimé. En passant, Eric, tu peux écrire un commentaire sur Robinson. Je l'appréciais lorsqu'il jouait avec les Canadiens en 1986, lorsqu'il a gagné la Coupe, sa dernière Coupe cette année comme joueur de hockey. Alors, c'est repris par un numéro 6 inconnu, je crois que c'est Phil Housley. C'est pas juste. Et c'est repris par Nat, par Chelios qui l'a remis à Selanne. Selanne, Timou, Selanne. N'est pas le mou, Timou. N'a seulement que de mou le nom. Et il la remet. Oh, quel jeu. Et c'est repris, je crois, par Paul Coffey. Phil Housley. On cherche à se regarder. Non, c'était Raymond Bourque, excusez-moi, le 77. Il reste moins d'une minute à faire à ce match. Cette prolongation, quel lancé de Raymond! Mais... Grant Fuhr! Eh oui, celui qui donnait 4 buts par match, mais qui gagnait tout le temps. Ça fait l'arrêt. Et là, j'ai ma fille qui me demande de fermer la trappe parce qu'elle essaie de dormir. Mais alors, je vais faire la mise au jeu. Il y a une mise au jeu, là, Bourque l'a eu. À Trottier. Il va la donner à Bourque. Passe interceptée par... Je sais plus trop qui. Mais ils vont essayer en tout cas de faire une attaque offensive, mais qui va être repris par Book. Il va essayer de la donner à un joueur. C'est pas trop qui. Mais encore les bleus. Je sais pas comment Jack, les appeler pour la reprendre. Jack me gosse tellement. C'est le commentaire que nous avons entendu, n'est-ce pas? Oh, quel but! Mais il y a un incroyable bleu! Incroyable bleu! Je crois que le test est continué, mesdames et messieurs, et tous les spectateurs nombreux qui nous écoutent. Nous pouvons faire des matchs live sur YouTube et les diffuser et les écrire. Eric, es-tu là? Il est là, mais on l'entend pas. Eric Roger. Et voilà. Alors, Eric est là, ça vous dit pas en fait. Ah, il voit là, okay, c'est bon. Oh, mal, il est pas là. Alors, les gars, demain, c'est pas vous autres qui allez jouer, mais il faudrait s'assurer avec, dans le fond, les cochers et Roussel qui s'en fonctionne bien. Ben, tiens, on va faire. En tes périodes, il va y avoir des commentateurs comme Danny Dubé, là. Moi, je peux-tu?
Ben, Guillaume, ouais, et, Guillaume et moi, on a une conférence de presse à faire demain. Mais comme tu sais, moi, ça va être la même affaire pour Nathan. Ça va être super simple. C'est la même affaire qu'à soir. Sauf que ça va être Nathan qui va jouer. Puis moi, je vais pas être avec lui. Je vais être genre dans ma chambre en train d'écouter le live sur YouTube. Mais tu sais, pas avec lui. Là. Oh, bravo, ouais, Marcel, Dionne, première étoile. Puis, pour Mathieu, c'est juste ça, Mathieu Cochet, c'est ça que Simon nous disait, là, sa PlayStation, ça a bugué, puis là, elle marche plus partout pour une couple de mois, là. Pour une couple de mois? Ouais, genre ouais. 2 mois, parce que je sais pas trop, je sais pas qu'on voit c'est quoi le problème qu'il y avait, là, mais ça allait y coûter bien cher pour faire réparer ça, puis tu sais, il peut pas jouer pendant un méchant bout, là, mais il... Ben, il est où, lui, Mathieu Cochet? Il t'avait l'effet? Non, je pense qu'il est proche de Sherbrooke, ça a l'air, à ce que Simon a dit, là. Hey, comment je fais pour quitter ça? Moi, ah, c'est moi qui contrôle là, je fais. Mais si tu veux quitter Roger le show, faut que tu payes sur le bouton comme de PlayStation là, au milieu. Ah ok. Puis après tu retournes dans le groupe, puis tu cliques sur jeu en partage, puis tu fais genre quitter le jeu en partage. Jeu en partage, puis je fais quitter. Ouais, puis là ouais. Tu vas arrêter de regarder l'écran de Jack, puis tu vas être sur ton propre écran. Là. Ouais, ben j'ai quitté. En pesant sur le bouton du milieu, effectivement, ça fait en sorte que ben, le joueur partage de Jacob s'est arrêté. Ben écoutez, les gars, moi je vais vous laisser. Je pense que ça marche. Là. Ouais, ça a l'air on a trouvé quelque chose de pas pire. Là. Ouais, puis. Mais j'ai une question. On peut-tu, comme, créer des équipes? Mettons, là, une long shot, là. Mettons que, genre, il y a une police devant chaque maison, puis on peut pas sortir de chez nous, là. Fait qu'il faut faire le tournoi live. On pourrait-tu faire ça de même ou... On pourrait, mais pas avec nos équipes respectives. Le seul problème de NHL, c'est ça, c'est que le fichier des équipes, comme, c'est même l'original de base, puis tu peux pas le changer pour le aller. On regardera avec Simon, mais à la limite, si ça devient problématique, on se pointe toutes des équipes All-Star, là, comme vous avez pu, là, puis... Ouais, dans le pire des cas, c'est sûr, ça peut être ça, là. Ouais. Bon. Bon, ben ok, les gars, hey, comment je fais pour vous flusher maintenant de ma ligne? Hey, non, quitter de... En bas, dans le groupe. Le bouton de... Non, mais... Ben, explique-y, là, déjà, faut qu'il y ait dans le groupe, là. Puis... Ben là, c'est quoi tu vois sur ton écran, présentement? Ben là, je vois mes... Ah, ok, quand tu payes sur écouteur, là. Là, ouais, je fais... Ouais. Je fais quoi? Je fais quitter ce groupe, ok, tu comprends? Ouais, puis là, ça va, tu vas dire bye-bye. Bon, ben ok, je vous dis bye les gars, fait qu'on se rejase demain. C'est à quelle heure demain? Je pense que c'est 8h. Mais tu sais, moi je vais être connecté avant, là. Mais il me semble que c'est 8h dans les mails, là. Je peux aller voir. Ouais, mais... 8h, ben ouais, ce sera bon que ce soit 8h parce que moi je crie comme un malade, puis ma fille elle essaie de dormir. Donc, ben ouais, mais ouais, ok, c'est bon, ça marche. À 20h, ouais. Ça marche. Bon, parfait. Ouais, ok, les gars, salut. Ciao. Ok, bye. Bonne nuit. Merci. Ah bah ben, moi je peux arrêter le live là, ça fait 1h30 qu'il roule là. Ah ouais, tu peux le faire rouler autant que tu veux. Je pensais qu'il allait arrêter après 1h parce que tantôt j'avais un affaire de timer, j'ai mis 60 minutes mais là ça fait 1h30 pis il est encore là. Ah ben. Ah mais c'était-tu hilarant pour vrai. Ah là j'ai drôle, Eric qui arrive pis oh quand tu as man, ça faisait comme 3 minutes là. Ah c'était hilarant pour vrai. Oh c'est drôle. Bon, moi je vais aller me préparer, je travaille demain à 7h, donc me préparer pour un petit peu trop longtemps après ça. Ok. Alright, c'est bon, fait que bonne nuit, à demain là. Yes, bye, demain. Salut, bye.